Alors, c'est ni l'un ni l'autre. C'est à mi-chemin entre les deux, parce que d'abord, on n'est pas aux États-Unis pour manger français uniquement, mais on essaye par contre de faire attention à un équilibre dans les repas. Et ça, je crois que c'est important. J'y mange moi-même plusieurs fois par semaine. Je fais attention à mon équilibre diététique, car je pense que bien manger dicte aussi la vie, à savoir pouvoir étudier, pouvoir Bien sûr. travailler, pouvoir faire du sport, etc. Et donc, nous faisons très attention à l'équilibre alimentaire des repas. D'accord. Alors j'ai lu quelque part la chose suivante. Les objectifs fondamentaux de l'école sont, c'est très précis, excellence académique, équilibre physique, psychologique et affectif, apprentissage de la citoyenneté. L'équilibre physique, psychologique, affectif, l'apprentissage de la citoyenneté, on y reviendra éventuellement plus tard, mais l'excellence académique. Pouvez-vous me parler des baccalauréats du lycée français maintenant ou à venir? Oui, alors nous préparons les élèves à trois types de bac. Le bac comme le ferait tout élève en France, dans trois séries, la série littéraire, économique et scientifique. Le bac classique Le bac français. classique français pour les élèves qui arrivent de France, qui restent 1 ou 2 ans au lycée, qui repartent avec leur bac en poche, on l'espère le plus souvent possible, et qui ensuite vont faire leurs études en France, dans des classes préparatoires ou dans des universités. Et puis on a également la filière EIB, qui est l'option américaine du bac, l'option internationale. Il y en a un certain nombre en France, en particulier au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, puisque ça a été créé lorsque la France appartenait, et appartient maintenant, mais appartenait à l'OTAN. Et donc il y avait un certain nombre de filières internationales, la filière anglaise, la filière espagnole, la filière italienne, la filière suédoise, polonaise, etc. Et donc nous avons ici la filière américaine, ce qui veut dire qu'on met un accent particulier sur l'enseignement de l'anglais et également sur l'enseignement d'histoire-géographie en anglais. Donc la valeur de la langue anglaise est d'un quart pour ce bac, alors que dans le bac traditionnel français, la valeur de la langue anglaise est de 5%. Donc vous voyez tout de suite la différence. Et nous nous lançons dans une nouvelle aventure qui a demandé près de 6 ans de négociations entre le ministère de l'Éducation nationale français et le College Board avec le nouveau bac franco-américain. Le College Board qui est... Le College Board, qui est un organisme qui propose les AP aux élèves et qui donc est un organisme qui propose un certain nombre d'examens qui sont reconnus par les collèges américains. Et comme il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale américain au sens français du terme, c'est avec eux que le ministère de l'Éducation nationale français a négocié ce nouvel accord. Donc nous avons un nouveau bac à la rentrée de septembre 2009 qui va intéresser 13 élèves, donc nous démarrons timidement, mais nous sommes très contents d'être le premier établissement français à le lancer aux États-Unis. Et ce bac introduit des advanced placements, donc des EPI, qui vont remplacer les épreuves du bac français. C'est-à-dire que l'épreuve de sciences économiques va être remplacée par une épreuve de macro et de microéconomique, par exemple pour le bac économie, ou l'épreuve de sciences de la vie et de la terre va être remplacée par une épreuve d'EPI biology, D'accord. donc de la biologie américaine. Avec comme intérêt d'avoir trois épreuves américaines, donc préparées au sens américain du terme, reconnues par les collèges américains, et qui va permettre aux élèves d'avoir une préparation qui leur permettra d'aller à la fois aux États-Unis ou de rentrer Ou en de France. rentrer en France s'ils le souhaitent. Tout à fait. Donc moi, Extraordinaire. j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet que j'ai porté avec quelques collègues depuis 2004. On a commencé à parler de ce projet. Donc vous voyez, ça a demandé un certain nombre d'années de Ouais, discussion. ouais, ouais. Je regrette d'être le seul établissement cette année, Pour le moment, pour pour le le moment, moment, et ouais. j'espère que Washington et d'autres établissements français comme San Francisco vont nous rejoindre l'année prochaine dans la même aventure qui, à mes yeux, est une belle aventure. Ah, certainement. Ça a Parce que l'air en c'est le tout cas d'une meilleur des très deux belle mondes. aventure, bien sûr. Oui. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Avez-vous un souvenir extraordinaire que vous aimeriez partager avec nous? J'ai plusieurs souvenirs extraordinaires parce qu'à New York, Si ça devait être un seul. si c'était un seul, On ça. manque de temps, hélas, pour. Alors, je vais en citer deux quand même rapidement. Deux. Je vais voler du temps. C'est l'inauguration en 2003. Parce qu'on avait franchi le mur du scepticisme à la française et on avait réussi la construction de ce magnifique lycée en 18 mois dans une ville de défi qu'est New York. Et puis le deuxième souvenir, c'est d'avoir été capable de lever 23 000 dollars de fonds lorsqu'on a ouvert l'auditorium pour les victimes de Katrina. Ah d'accord, c'est effectivement un très beau souvenir. Yves Thézée, merci. Merci bien. Donc c'était une nouvelle édition d'Entre nous. Je recevais Yves Thézée, proviseur du lycée français de New York, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.